Je pense pas qu'une fois encore, il y ait une vraie politique culturelle française déterminée. Non, je dis non. Pourquoi? Mais parce que j'ai pas la compétence du tout. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont été ministres et qui n'en avaient pas la compétence. Il faut d'abord une compétence sur le plan administratif et gestion. Un ministre, c'est quelqu'un qui tient un portefeuille, il faut quand même ne pas l'oublier. Et il doit avoir un sens de l'organisation extraordinaire que moi, je n'ai pas du tout. Je suis un vagabond, un errant, un lunaire. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Jacques Lang, parce que Malraux était un immense auteur, un homme d'une immense dimension, mais étant ministre de la Culture, les gens ne se souviennent pas qu'il a dit des choses un peu délicates comme la musique, c'est pas pour la France, c'est pour l'Allemagne, c'est pas moi qui l'ai inventé, donc c'était un peu des erreurs. Par contre, il a mis en place toute l'armature de l'Agora avec les maisons de la culture, etc., mais c'est pas lui, il en a eu l'idée, et Dieu lui en soit, qu'il en soit remercié. Mais celui qui a vraiment mis en place cette structure magnifique, c'est Duhamel, qui était un grand ministre également. Mais Malraux était un immense bonhomme, mais un immense bonhomme ne peut pas être forcément un immense ministre. Non, c'est Jacques Lang, sans aucune hésitation. Très franchement, je me suis dit, alors vraiment, vraiment, je me suis dit, tiens, bah, au moins c'est quelqu'un qui bouge, qui a la voix haute, qui parle fort, qui est enthousiasmé, comme ça, qui est encore une fois, qui est très vivante. Alors après, je n'ai pas eu de jugement a priori, j'ai dit, bah, on va bien voir. Je me pose plein de questions parce que je ne pense pas qu'une fois encore, il y ait une vraie politique culturelle française déterminée. Jamais, c'est vraiment la dernière roue du carrosse, parce que c'est pas suffisamment électoraliste, ce qui est une connerie noire.